rempli mes bocaux de larmes. Mais ne vous fiez pas à son air de chien battu. À la première question déplacée, le numérisateur sort les dents. C'est ici une race hybride que nous vous présentons. Un subtil mélange entre un geek tout droit sorti de Big Bang Theory et un saltimbanque un peu bohème. Un tonnerre d'applaudissements pour le doux, mais féroce, Antonin. Bonsoir tout le monde. Bon, moi, je m'appelle Antonin et je suis doctorant en art. Alors, on m'a demandé de venir ce soir pour vous parler de mes recherches, mais c'est pas facile de parler de ses recherches, surtout dans les discussions quotidiennes. Forcément, au bout d'un moment, les gens, poliment, ils essaient de vous demander... Alors, mon petit, ta thèse, elle avance. J'essaie de leur répondre poliment aussi. Oui, elle avance, merci. Mais non, elle avance pas, non. J'ai un an et demi de retard, j'ai fait une thèse en 6 ans au lieu de 3, j'ai 200 copies à corriger, sans... mais non lieu un article à rendre pour rire, donc non, on n'avance pas, non. Je suis quelqu'un de poli. Ah ben, je vous ai pas dit ma spécialité. Moi, je suis doctorant en art numérique. Parce que d'habitude, les gens ne réagissent pas. C'est marrant, ça, d'ailleurs. Quand je dis que je suis doctorant en art, la plupart du temps, les gens ils se moquent de moi. S'ils sont très polis, ils s'en vont. Mais quand j'ajoute art et numérique, mais là, je vois bien que je fais du mal aux gens. Mais pourquoi? Pourquoi c'est plus compliqué de comprendre ce qu'est l'art numérique? J'ai détecté ce problème, puisque plusieurs personnes ont fini par me dire, mais art numérique. Mais tu fais quoi, toi, de tes journées, en fait? Tu dessines sur Photoshop? Et toi, ta mère?
Elle t'a dessiné ta gueule sur Photoshop aussi. Non, dessiner sur Photoshop, c'est dessiner. Avec un autre outil, mais c'est juste dessiner, c'est pas de l'art numérique. Sinon, écrire un livre sur Word, ce serait de l'art numérique. On voit bien qu'il y a un problème. Et le terme, numérique, lui aussi, il est bizarre. J'en discute avec un monsieur qui finit par me dire « Ah, numérique, c'est beaucoup trop compliqué pour moi, moi j'y comprends rien. » Mais c'est quoi que tu comprends pas? C'est quoi que tu comprends pas? T'as pas d'ordi au bureau, pas de téléphone dans ta poche, tu sais pas compter, c'est quoi que tu comprends pas? Non, pire, pas pire. Spécialiste en technologie, il monte en entreprise et il me dit « Oh, le digital, c'est l'avenir. On va mettre du digital partout. » Digital, ça veut dire qu'il fait partie du doigt. Alors, je sais pas où tu fous tes doigts, toi, d'habitude, mais tu t'approches plus de moi. Non, numérique, composé de nombres. Ah oui, d'accord. Alors, c'est peut-être pour ça que quand j'associe art et numérique, j'ai ce type d'incompréhension. C'est accessible pourtant. L'art numérique, c'est là pour amener un peu de poésie dans notre rapport aux technologies. Un peu de rêve là-dedans. L'art numérique, c'est pas juste un outil pour faire de la création. Sinon, tout serait de l'art numérique. Le cinéma, la littérature, la musique. Non. L'art numérique, c'est prendre une... Pour lui donner un autre sens. On va prendre un exemple. Ce soir, tous ensemble, on va faire de l'art numérique. Ouais. Méta Tchatonsky. Oui, je vais vous expliquer. Vous me prenez un robot. Vous me prenez la planète Mars. Et des milliers de photos à la seconde. Facile. Première étape. Vous attrapez le robot, vous l'envoyez sur Mars. Jusque là, ça va. Deuxième étape. Vous le laissez sur Mars 4-5 ans, histoire qu'il ait le temps de vous faire des milliards de photographies. Troisième étape. Vous ne sélectionnez que celle où on voit la tête du robot. Quatrième étape. Vous me les alignez le long d'un mur et en dessous, vous écrivez « Selfie ». Étape 5, vous m'en faites une exposition. Carton garanti. Pourquoi ? C'est très simple. Vous n'aurez qu'à dire. Faire un selfie, c'est humain. C'est la volonté de garder une trace de son existence. Et vous me sous-entendez que ce robot-là, en faisant des selfies, il essaie de garder une trace de sa mémoire. Ben voilà, vous faites de l'art numérique. Mal pris une technologie, le robot. Vous l'avez détourné de son usage premier à analyser la planète. Mesdames et messieurs, je vous félicite. Vous êtes toutes et tous des artistes numériques. Voilà. Avec tous les applaudissements. Ouais, c'est peut-être pas si inaccessible que ça, finalement, mes recherches. Je m'en fous, hein. Même si 8 fois sur 10, personne ne comprend rien. Je pense que c'est quand même pour ça que je suis là ce soir. Je suis un peu comme ce robot, en fait. Je suis là pour vous apporter de la curiosité. Et à vous toutes et tous, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir eu la politesse de m'écouter.